vis-à-vis des pharmacies et Merci. Des patients. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Morel-A-L'Huissier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Le 13 novembre 2013, à l'appel du syndicat Alliance, 5 000 policiers avaient manifesté, il y a 3 ans. Un an plus tard, le 13 novembre 2014, 8 500 policiers ont défilé à Paris pour, je cite, « dénoncer leurs conditions de travail et le mal-être dans la police », il y a 2 ans. En octobre 2015, une autre manifestation a été organisée dont l'événement déclencheur a été la fusillade, au cours de laquelle un policier de la BAC a été grièvement blessé. L'auteur des coups de feu était un détenu en fuite qui n'avait pas réintégré sa prison après une autorisation de sortie, il y a simplement 1 an. Enfin, en juin 2016, lors d'une cérémonie d'hommage au couple de policiers assassinés à Magnanville, un policier a refusé de serrer la main au président de la République. Monsieur le Premier ministre, vous devez vous en souvenir personnellement, vous y étiez, il y a simplement 5 mois. Si je reprends ces différents événements, c'est pour vous faire comprendre que les manifestations actuelles sont l'expression d'un mal qui couve depuis plusieurs années. Les policiers sont exaspérés et fatigués. Ils sont asphyxiés en termes de procédures et les réponses pénales ne sont plus adaptées. Des voyous sont en liberté. Il y a aussi une violence accrue et le sentiment que les délinquants n'ont plus peur de leur police. Certains dénoncent le fait qu'ils ne sont plus que 2 et non 3 dans les véhicules de service. D'autres parlent de zones de non-droit dans certains quartiers, de réseaux connus et non démantelés. Plus que des revendications catégorielles, ce sont les conditions même de l'exercice de leur métier qu'ils dénoncent. Et nous ne pouvons qu'y être sensibles au regard de leur dévouement, et je pense aussi aux pompiers, aux policiers municipaux et aux gendarmes. Aujourd'hui, c'est au tour du président de la République de recevoir les représentants des policiers. Ma question est simple. Allez-vous enfin les entendre ? La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, je le redis vraiment avec beaucoup de sincérité et de gravité. Si, comme c'est votre cas, je vous connais personnellement, on respecte les policiers, on leur doit la vérité. Et on ne peut pas être devant la représentation nationale. Je sais qu'il y a des échéances électorales et elles nous concernent tous. En indiquant question après question qu'il y aurait une espèce d'âge d'or à l'occasion duquel, vous le savez, beaucoup d'emplois ont été supprimés, une espèce d'incapacité de ce gouvernement à répondre aux questions qui sont posées. Et pour connaître, comme le Premier ministre qui a été ministre de l'Intérieur, bien les policiers, je sais qu'ils attendent de nous, parce qu'ils sont en souffrance, de la dignité, de la vérité, et pas des outrances et pas des vociférations. Et je vais vous rappeler quand même, je me permets de vous le dire, qu'au cours des derniers jours, il y a un certain nombre de candidats aux primaires qui se sont déplacés dans les commissariats. Monsieur le candidat aux primaires député de l'Eure, monsieur Bruno Le Maire, s'est déplacé dans les commissariats pour indiquer qu'on avait supprimé 13 000 emplois sous monsieur Fillon et monsieur Sarkozy et qu'il le regrettait. Monsieur Juppé a regretté la même chose en indiquant qu'on avait grand tort de le faire. Donc je pense que sur ce sujet-là, il faudrait être moins dans la confrontation, moins dans l'antagonisation et davantage dans le respect. La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que nous avons créé près de 9 000 emplois, que nous avons augmenté de 15% les moyens de la police et que tout à l'heure, autour du président de la République, après avoir écouté longuement les organisations syndicales, nous allons ensemble annoncer un ensemble de mesures qui s'inscrivent dans la continuité de ce que nous avons déjà fait et qui sont destinées à répondre très précisément à autant de sujets différents que la légitime défense, l'anonymisation des policiers, les matériels supplémentaires dont ils ont besoin. Donc j'appelle sur ce sujet comme sur d'autres à ce que nous soyons dans la dignité et dans la vérité.